Ici, nous sommes dans le palais de l'Athénée qui venait juste d'être terminé quand la conférence internationale s'est réunie. C'est un palais du début du 19e siècle avec quelques tentatives de rappeler l'art antique. C'est un palais aussi qui a meublé dans le style tout à fait de la Genève bourgeoise du 19e siècle. Donc c'est vraiment l'intérieur bourgeois, un petit peu à l'image même des membres du comité qui, eux, appartenaient à la bonne bourgeoisie de Genève. Bien évidemment, les membres du comité international qui avaient convoqué et organisé la conférence internationale étaient présents durant les 4 jours de débat. Et vous aviez donc les 5 membres, ce qu'on appelait à l'époque le comité des 5. Alors, la conférence internationale a réuni des représentants de sociétés philanthropiques, mais également 16 États. Et parmi ces États, les grandes puissances européennes de l'époque, comme la France, la Grande-Bretagne, la Prusse, l'Autriche ou encore l'Espagne. Alors, la conférence a abordé les 2 points du souvenir de Solferino, à savoir la question de la création dans chaque pays de sociétés de secours. En effet, les résolutions jettent les bases des futurs statuts de sociétés de secours qui vont devenir les sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les statuts de ces sociétés de secours indique que les volontaires, les infirmiers volontaires qui feront partie de ces sociétés de secours porteront un brassard à croix rouge comme signe distinctif qui permettent sur le champ de bataille de reconnaître les différents services de santé qui jusqu'alors étaient représentés par des signes complètement différents, par des couleurs différentes, ce qui fait créer une certaine confusion sur le champ de bataille en ne sachant pas qui étaient les ennemis et qui étaient ceux qui venaient les soigner. Et un troisième point s'est rajouté à l'ordre du jour, un point que Dunant lui-même avait souhaité voir discuter, qui est celui de la neutralisation des blessés, mais également du personnel qui venait les soigner, ainsi que des hôpitaux et des ambulances.